Il appelle Vincent Kist à gauche, il tarde à lui remettre son ballon, le voici. Bon centre, bonne remise, Nord de Kim, il peut parcourir, par contre, une bande développée. Mais au-dessus. Et il s'en veut, il a toutes les raisons de s'en vouloir. Kelly, le compte. Le compte qui provoque Van Steenkist, le compte qui gagne son duel, il a une bonne possibilité de centre ici, c'est exécuté. Oh, quel sauvetage à même la ligne. À nouveau une grosse opportunité pour Olers. Le coup de coin, oh, mal donné, ça a même surpris la défense anversoise qui se dégage. À nouveau un centre et la tête croisée, c'était superbe cette tentative de Mikael Seoudi. Bon appel, cela n'arrive pas. Un point, mais Dekévy récupère à la deuxième ligne. Boyle. Boyle, la bonne appel de Dekévy qui n'est pas en position hors jeu, mais qui est en bonne position de centre. C'est bien vu vers l'Allemand, en retrait dans le dos de la défense. La reprise à côté. Nouvelle possibilité pour l'Antwerp dans cette partie. Bon ballon sur la droite, Limbombé. Limbombé, le grand pont, c'est joli, qui va remettre ensuite dans le retrait. Mais non, mais non, comment c'est possible de rater quelque chose comme ça? Mais je veux bien qu'il se tienne les cheveux, Geoffrey Hermans. Zolotic qui a laissé à Grisé. Grisé l'appelle devant lui. C'est Sami Kelly. Kelly pour un centre, il est très bon. Oh, Kudimbana qui met les points. On allait chercher la tête de Browers, je ne pense pas qu'il a touché le ballon. C'est la tentative de Kelly. Le corner. Bon, ça arrive loin. De Kelly manque complètement sa reprise. Coppens obligé d'intervenir. Il manque le ballon. Il a fait du score. 1 but à 0 pour l'Antwerp. Et c'est Limbombé qui ouvre la marque. C'est entièrement mérité pour ce joueur. Très actif depuis le début de la partie. 4 minutes pour faire le break. 4 minutes pour égaliser. Limbombé est en bonne position pour le doubler. Il préfère servir, la frappe, et non, à nouveau à côté, le poteau cette fois-ci.